Mon premier objectif, c'est d'accompagner les équipes, les directeurs d'école, les enseignants qui aujourd'hui à Bastia reprennent l'école. Donc d'aller les remercier pour tout l'investissement qui a été le leur pendant cette période de pré-rentrée, hein, où on a dû réfléchir à l'application du protocole sanitaire pour le mettre en œuvre donc depuis hier et pour permettre l'accueil de tous les élèves qui souhaitaient retrouver en présentiel l'école. Je crois que l'essentiel, c'est d'amorcer la reprise. Je crois que c'était extrêmement important de permettre la réouverture des écoles en présentiel. Il y a des enfants, des familles qui le demandaient. Vous avez pu constater avec moi, quand j'ai fait le tour des classes, qu'il y a des enfants qui le plébiscitaient, qui se sentaient mal et en difficulté dans le confinement, dans l'apprentissage à la maison. Ils sont très heureux de retrouver aujourd'hui leurs professeurs des écoles. C'est un début. Je dirais, ce petit nombre, c'est un début. Il a vocation, évidemment, à être plus important, à grandir, dans le respect du protocole. Donc, je me satisfais vraiment que cette amorce ait pu avoir lieu. L'école rouvre. Il ne s'agit pas, effectivement, du service minimum d'accueil que nous avions maintenu ouvert pendant la période de confinement pour les enfants de soignants ou les enfants du personnel de la sécurité civile, par exemple. Non, l'école rouvre pour tous les parents qui souhaitent, effectivement, que leurs enfants bénéficient d'un enseignement en présentiel. Les écoles sont rouvertes. Ce que s'efforcent de faire tous les enseignants aujourd'hui, c'est de maintenir le lien avec tous les enfants, donc à travers l'enseignement à distance, pour que les apprentissages puissent se faire à tous les niveaux. Donc je maintiens que l'école reste ouverte pour tous les enfants grâce à l'enseignement à distance. En revanche, ce que va permettre la réouverture des écoles en présentiel, c'est de mieux prendre en charge les besoins spécifiques des élèves qui ont été perdus par l'enseignement à distance.